Je suis Aïcha Askal. Merci. Je fais partie du groupe Gaïcha et je suis la chanteuse du groupe. J'ai grandi en Belgique. Je suis d'origine marocaine. C'est déjà très bien de ne pas être née dans son pays d'origine. Ben, ça nous pousse en fait à avoir quelques fantasmes. On se dit oui, mais si j'étais née dans mon pays d'origine, comment je serais, quoi? Est-ce que j'aurais plutôt été vers un style musical comme le chaabi ou la musique classique arabe? Mais en fait, le fait d'être née en Belgique m'a permis vraiment d'avoir une certaine ouverture assez naturelle vers la musique, entre guillemets, la musique du monde. Et donc, par rapport au fait que je ne suis pas née dans mon pays d'origine, ça m'a vraiment poussée à explorer, en fait. À explorer pour quelque part revenir aussi vers la culture de mes parents. Et de me l'approprier, mais en même temps, je sens que je ne peux pas mentir. Je ne suis pas née dans ce style musical de chaabi du Maroc, quoi. Donc, je suis née en Belgique, comme j'ai dit, dans les années 80. Donc, j'ai été influencée aussi par les musiques de l'époque, à savoir le rap. Donc, vers l'âge de 15 ans, j'ai rencontré le collectif Souterrain Productions, un collectif bruxellois de hip-hop, avec qui j'ai fait mes premières scènes de rap à Bruxelles. Nous étions deux filles à l'époque, c'était très rare à cette époque-là, des rappeuses. Et donc, j'ai commencé à explorer le rap, j'écoutais beaucoup le rock. Radi, 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 ضربوا حصل كدمة على الجل, بجناح يدل عيا ينزل, الواقف واقف واقف بالمعل تحرك وصل لي يغزل يبيع الخايت يشري العجل يربطو بالحبل يشري في الشايت يبني حايت يكمن طار 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 حل الباب ودخل كلامك حسن خدم العقل ترقى الحل عاد قلب على الفضل المهم هي توصل إلى زربتي تحصل مسموح البوح للروح يا نخلة البلوح إلى زربتي تحصل مسموح البوح للروح يا نخلة البلوح Ma maman chante aussi, mais pas de manière professionnelle. Elle a une belle voix. Et à chaque fois qu'elle chantait les musiques marocaines, les musiques classiques, Doum Keltoum, les chansons égyptiennes, j'étais vraiment très, très touchée par ça, par ce style. Mais je n'ai jamais vraiment réfléchi, en fait. Je ne me suis jamais dit non, ce n'est pas mon style. Je ne comprends pas très, très bien tous les mots de la musique égyptienne. Je ne me suis posé aucune question. J'ai suivi mon instinct, mon âme. Et donc j'ai commencé à écouter beaucoup, beaucoup de chansons de musique égyptienne, libanaise, Irak, vraiment toute la péninsule arabique. Et c'est comme ça que j'ai appris un peu la musique arabe de manière autodidacte, on va dire. Et puis je suis rentrée à l'académie pour apprendre le chant lyrique. J'adore aussi beaucoup l'opéra.
Et donc, j'ai un bagage, on va dire, de plusieurs styles musicaux qui me portent et qui m'influencent beaucoup. Et je suis très, très attachée à cette réalité singulière. Quand j'ai été m'inscrire à l'académie, je me suis inscrite en cachette parce que mon père, il avait vraiment des préjugés par rapport à la musique et il pensait que tous les musiciens n'ont pas forcément une carrière très stable. Enfin, tous ces clichés-là. Et disons que le rap, c'était plutôt le fait que je ne pouvais pas, de mon père, faire de la musique. Ben, j'avais une colère au fond de moi-même et c'est ça qui m'a amenée vers le rap. Parce que j'avais beaucoup de colère, parce que j'avais soif de liberté. Et c'est par la suite, j'étais très très inspirée aussi par rapport à la musique classique, à la musique classique arabe. Et j'étais très consciente que ce sont des styles musicaux qui demandent vraiment beaucoup de discipline. Donc j'ai fait plutôt des années d'apprentissage, on va dire, pour la musique classique arabe avec des groupes ici à Bruxelles. Donc on répétait, j'ai appris un répertoire avec eux. Et ensuite, on a fait quelques scènes à Bruxelles. Et c'est de là que j'ai rencontré les musiciens de Gand avec qui j'ai pu explorer de la fusion avec de la musique arabe et du klezmer, musique des Balkans, comme par exemple avec le groupe gantois Vafanfar. Et de là, après, l'aventure et l'amitié. L'aventure et l'amitié a commencé. Hey, wow. Jehovah.
عايشة اسمي a sorti un album, le premier album, Gaïcha. Le titre de l'album, c'est Ana Aïcha, qui veut dire « Je suis Aïcha ». C'est une chanson qui parle sur la liberté. En général, c'est les musiciens qui composent. Et donc, moi, je ramène tout ce qui est interprétation de chants, les textes arabes et aussi en français. Et c'est moi qui écris les textes en français. Et pour les textes en arabe, c'est plutôt des poètes. J'ai travaillé avec un poète marocain de Bruxelles, j'ai travaillé avec un poète égyptien de Bruxelles aussi, et notamment avec mon oncle qui est poète à Casablanca. Et par contre, pour ce deuxième album, on va d'abord écrire les textes et ensuite composer. Une autre façon de travailler, quoi, une autre approche. C'est vraiment un désir profond, même je dirais une consécration pour moi, c'est de chanter dans mon pays d'origine. Tout ce bagage que j'ai eu en Belgique, de le proposer au Maroc, au public marocain, qui est un public vraiment assez ouvert. Hein. La jeunesse marocaine, elle est très 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 éclectique. Et pour moi, c'est un rêve de chanter au Maroc. شكراً. Merci.